Vous êtes sur RTL. Vous devez aimer la corrida, vous, monsieur Galliana. Bah, moi, j'aime pas trop. J'aime bien la voir, mais j'aime pas qu'on tue les animaux. Ah bon, alors c'est bien j'aime, ça. Bon. J'aime pas du tout. Ah, c'est vrai. Mais je trouve que c'est un très beau spectacle, mais tout ce qu'on fait au taureau avant et après, j'aime pas du tout. Ah, vous voudriez une corrida sans taureau? C'est plus compliqué. Ça s'appelle du tennis. Je voudrais une corrida avec les mêmes conditions pour le toréador que pour le taureau. Oui, absolument. Et puis c'est vrai. Ah bah moi je veux bien essayer alors d'émoustiller le torero avant. Eh ben oui, c'est ça. Non, mais ils font pas que ça. Ils font pas que ça. Ils mettent des vaselines dans les yeux. Ils les mettent dans les mains. Non, c'est vraiment con. Non mais. Il parle du toro, pas du torero. Mais c'est vrai que le torero tout seul avec son traje de luces, c'est quand même. Avec son quoi, son quoi? El traje de luces. L'habit de lumière. L'habit de lumière. Carrero de luces. El traje de luces et avec les petites ballerines noires, gracieux, tout ça. Mais c'est magnifique. Il pourrait être tout seul dans l'arène, on irait le voir. C'est vrai. Qui danse. Il se balade un peu, il rentre. Voilà. Enfin, Espagne, il a dansé, ouais. En Espagne, quand le torero est dans l'arène, le roi, il n'est pas content. C'est bien, monsieur Gueluc, c'est bien. Début du 21e siècle.